Ce bouton marche aussi. Chut, il y a des zombies. Tu les sais. Chut. Ça ouvre une trappe, ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin. On se retrouve en tout cas pour The Red and Evil Dead. Mais précédemment, Marcus était devenu une femme surpuissante qui veut nous péter la gueule. Voilà, tiens, il y a un nouveau virus mélangeant le T et le G, donc le virus T plus G. Et on a découvert que Marcus est le responsable officiel des incidents de Resident Evil 0, 1, 2, voilà, tout tralala, voilà, il fallait un bouc émissaire. Voilà, Marcus avait la tête d'un con, visiblement, et ils l'ont tout foutu sur le dos. Tu m'étonnes comme j'ai dit qu'il était vénère, ce con, hein. Ah non! C'est en bas, c'est en bas, c'est en bas, c'est en bas, c'est l'autre porte qu'il y avait. Attends qu'il faut voir. Et dans cette vidéo, on va vraiment finir cette fois-ci le navire. Je pensais qu'on le finirait dans l'autre vidéo, non. Et on normalement devrait commencer la prochaine zone aussi. En tout cas, ça y va. Évidemment. Run for your life. Putain, je pensais avoir juste le temps, mais putain, ces zombies sont trop rapides. Vous avez utilisé la clé de la salle de repos? Oui, j'ai besoin d'un peu de repos là. Les zombies, ça commence à me... Et courir sur le haricot magique. Ça semble fermé. On peut plus ouvrir, c'est celle où il y avait Fongming qui nous avait niqué. Tu sais, elle avait profité qu'une chose nous ait frappé. Bon, vu le bras de la chose, ça devait être ce fameux tyran 91. Parce que c'est, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il avait à peu près le même bras sur l'image. Donc il est en liberté dans le coin, il a dû sortir d'une capsule, évidemment lui et Marcus ils ont pas de... Enfin et Morpheus ils ont pas de problème. Putain, moi aussi je confonds Morpheus et Marcus. Putain, je vais devenir indigent avec Umbrella. Donc l'autre porte est verrouillée, ok, donc c'est par là qu'il faut aller. Ouais. Je suis sûr. Bon bah je devine que c'est par là, hein. Ça sert à rien d'aller de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ensuite, où c'est qu'il va falloir râler? Ok. Il va falloir aller en face. Ah, donc ça devait être verrouillé l'autre truc. Il y a un journal de bord ici, c'est le capitaine, hein, c'est ici. Vendredi 20 avril 2002. Ça fera 4 mois demain que le Spencer Rain a... Ah, c'est sympa le nom. Spencer en plus. Putain, mégalomane. Quittez le port. Je suis heureux de dire que le voyage s'est bien déroulé jusqu'ici. Un représentant de Umbrella, le propriétaire de navire, m'a fait part de son consentement. Spencer, c'est ça? Ce serait logique. vu le nom. Il se passe quelque chose d'étrange. Bien que l'équipage n'ait rien à signaler, je m'inquiète du fait que les choses puissent s'échapper à l'avenir. Je m'assurerai d'avoir toujours mon Magnum avec moi. T'as un Magnum? Je veux le Magnum. Dimanche 22 septembre 2002, je peux pas envoyer de signal de détresse. Que dois-je faire? Tous les passagers et équipage sont morts. Je peux qu'accepter les événements survenus ici comme étant ma destinée. Il n'y avait pas un autre qui avait écrit des trucs le septembre? Bonjour. Toi aussi, t'es rapide. Ça. Salut tous. Au début, vous étiez lent, maintenant vous êtes rapide. Ah. Mais laisse-moi tranquille. Il est pas mort. C'est bon, t'es mort? Il va se relever pour un dernier frisson. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. Putain, il va vraiment pas mourir. Et t'es mort de quoi, toi? Parce que visiblement, t'étais enfermé dans ton truc. Tu t'es pendu aussi, comme tous les autres?
Ou t'es mort de l'infection, le truc. Vous pouvez. Ah, je peux pas utiliser. Je peux pas remplacer. Ah, bah si, voilà. C'est tout ce que vous pouvez porter. On peut pas porter plus. On peut même pas remplacer. C'est nul. On voulait plus de Magnum. C'est vraiment, je peux pas plus. Bah attends. Attends, peut-être qu'après ça va venir voir. Ça flingue les yeux, putain de merde ce truc, hein. Ah oui. Ah oui, parce que je veux du Magnum, hein. Je suis pas con non plus. Allez, et c'est un Desertigle en plus. Que j'aime bien. Il tire des balles Magnum et fait casse-tête, dommage maximum. Trop classe. Ça c'est quoi? Calibre 50 pour le revolver Magnum. Ah, ça aurait pu être 44 aussi. Hein. 44 aussi, hein, Desertigle. Hein. Il a plusieurs calibres, mais c'est vrai que c'est mieux en 44. C'est la femme du capitaine, ça? Bonjour. Je vous laisse, hein, dans la salle de bain. Il y a un espadon. Mais comme j'ai dit, il n'y avait pas un autre qui avait écrit, juste à voir, fax urgent, rapport d'activité, rapport d'administration, lettre du serveur, matelas en charbon frais. 4 septembre, 6 septembre, ok. D'accord, donc c'est en septembre qu'il y a le truc qui est parti en tout cas en couille. Maintenant on sort, ok. Et c'est pas au tout début, parce qu'au tout début, visiblement, tout allait bien encore. Bon, je vais peut-être pas non plus déconner. Allez. Je suis pas con non plus. Je pouvais pas ouvrir la porte. Je pouvais pas ouvrir la porte sans me fermer. Bon, qu'est-ce qu'il y a en haut? Eh, on se débrouille bien pour le moment. À la baie, il n'y a pas de... À la baie, il n'y a pas de limite, hein, par contre, hein, de ce côté-là. Ça y va à foison. Oh. Tout ce que je peux porter. Allez, vas-y. Bon, ben, j'ai l'impression qu'il y a l'autodestruction du navire qui s'est activé. Non? Un iceberg, évidemment. Ça fait beaucoup de zombies. Ça fait beaucoup, même trop de zombies. Le bateau va bientôt s'échouer sur l'île. J'ai pas lu la première phrase. Bon alors attends, sur le plan on est où? Ok. Héliport. Ça me fermait. Vite, 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 on court. On va aller à l'héliport. Allez, c'est parti. On évite les zombies. Bon alors Fongling, ça va? 8 minutes, c'était large quand même. Ah, d'accord, c'est pour ça. Pourquoi tu te tiens le bras comme si t'avais griffé? Il a pas de griffe. Bonjour, monsieur le tyran. Vous avez pas vu votre compatriote, l'autre tyran, la version femme? Est mieux réussi, parce que c'est vrai que toi, t'as un gros point faible. Hein. Putain, on dirait western, là. C'est pourquoi il nous attaque pas? C'est un mode. Hey, Billy Joe. Ah, là, il est vénère. Non, mais j'aime bien le monstre, il nous observait tranquille, quoi. Ça me fait rire.
Ah, le problème, c'est qu'il se déplace trop lentement, ce con. Moi, ça me casse les couilles. Putain, mais j'ai pas le temps. Alors, attends. Il faut trouver une autre technique parce que celle-là, ça va pas marcher. Je suis obligé de faire ça parce que là, aller lui tirer dans le point faible, c'est pas possible pour le moment. Ah ouais, là, c'est pas possible. C'est trop... Ah putain, mais merde quoi. Maintenant, il était de merde aussi. Ouais, c'est un peu chiant à viser. Bon alors, on va se soigner un petit coup. Tant bien, on a beaucoup de bœufs. Tranquille, hein, de ce côté-là. Ah, on peut enfin tirer. Bon, on a 6 minutes pour l'affronter, je pense qu'on ça devrait être bon. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Si on pouvait courir en diagonale, sans problème, ce serait bien. Bon ben c'est bon, il est mort. Jean-Michel, hein. Voilà, t'as vu, j'aurais eu un succès là, le terminer en moins de 2 minutes. Non. Il y a un hélico sur l'héliport au moins. Carrément l'explosion nucléaire. Ça aurait pas juste pu faire. Mais non, le bateau il était rempli de nitroglycérine. Ça explique tout. C'est quoi cette île? Ça a l'air abandonné. Hein. Il n'y a pas de zombies. Et on peut pas visiter l'extérieur, parce que franchement ça a l'air classe l'extérieur, non? Regardez-moi la gueule du truc. Ah franchement, j'aurais envie de l'explorer in-game. Bah non, je vous dis déjà, on pourra pas, hein. On sera seulement dans des installations souterraines. Parce que c'est pas drôle sinon. Eh ouais, c'est pas drôle. Ah bon? Ça peut pas être Albert Wesker qui est de passage dans le coin? Albert Wesker, il épouse Morpheus. Et voilà, tout est bien qui finit. Allez, on a encore la musique, non? Franchement, ça aurait été cool de pouvoir visiter. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ouais, ça aurait été trop cool de pouvoir visiter cette zone-là. Extérieur. Où il y avait l'air d'avoir aucun ennemi, parce que vous verrez qu'il y a des zombies dans les zones souterraines. Mais rien à l'extérieur, les zombies sont réfugiés, je sais pas. Et donc là, on est au truc. On est aux eaux souterraines, voilà, l'installation des eaux souterraines, passage, truc de stockage. Ça a l'air sympa. Je devine qu'il y a une salle de sauvegarde. C'est une salle de sauvegarde, ouais, je m'en doutais. C'était logique. J'ai la dalle, putain. Ça ressemble à un rapport. Rapport de biologie, hein. C'est un rapport d'études sur la mutation des armes biologiques qui ont été considérées comme des échecs et mis au rebut dans les installations. D'accord. 7 avril, les créatures aquatiques inconnues augmentent rapidement, principalement dans la fosse de drainage, dans la mesure où leurs fluides corporels contiennent des acides puissants et très dangereux de les toucher. Je les ai appelés enfants torpilles, car ils nagent comme des torpilles. 9 avril, j'ai appris qu'une mère pond tous les enfants torpilles. Si je peux la trouver et la tuer, je dois pouvoir exterminer toutes les créatures dans cette zone.
Ces arrêts, j'ai décidé d'essayer d'éliminer les enfants torpilles. J'ai exploré la fosse afin de détruire leur mère, mais les enfants torpilles semblent essayer de la protéger et m'ont assez grandement blessé. Ils ont maintenant envahi mon bureau. Je dois absolument trouver un moyen de m'en débarrasser. J'aime bien le fait qu'ils aient envahi le bureau alors qu'en fait, vous allez voir les ennemis en question, ils sont toujours dans l'eau. Et à aucun moment, hein, on ne va en croiser dans des zones secs. Et à aucun moment, donc, ils peuvent rejoindre les zones secs, voilà. Il y a des bouchers, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ah, je sais pas, c'est chelou. Alors, et ça, c'est un autre rapport, je pense. Un carnet de notes, tout usé ici. Un carnet de notes de l'opérateur. 16 juin 1997. Et ça date, hein, quand même, les trucs. Ah, moi, c'est passé depuis qu'on m'a envoyé ici. Je suis étonné du laxisme dans le contrôle des installations de recyclage des déchets dans Umbrella. C'était déjà le cas à Raccoon City, t'en fais pas. Pas surprenant que cet accident soit produit, je sais que si je dois mourir, je veux mourir en tant qu'humain. Je supervise. C'est même avant l'accident de Raccoon City, et même du manoir ici, et avant Marcus, ouais. Le superviseur ici, appelé Morpheus, me pose des problèmes, il me rend dingue, il doit faire plus attention à la sécurité des travailleurs et des armes biologiques que quiconque que j'ai rencontré ici. Ces installations appartiennent à Umbrella, mais il est clair qu'il voit les choses en autrement. Je sais pas depuis combien de temps je suis ici, mais je veux pas rester ici, mais je peux pas bouger, mon corps ne bouge pas. Ok, visiblement ici c'est parti en couille avant même notre cher avant même notre cher Marcus, hein, et tout. C'est incroyable. On a découvert le Ground Zero. Voilà, j'ai déjà réussi à le finir sans trop sauvegarder, mais là je sauvegarde au cas où. Et puis c'est pour vous montrer chaque sauvegarde. Allez, vas-y. On va aller fouiller ces zones, donc on sait déjà qu'on va affronter des enfants torpilles et leur maman. C'est mignon. Non, c'est bon, je veux un peu le flingue quand même aussi. Hein. Oh, le lance-grenade. Et cette fois-ci, c'est pas celui de Resident Evil 2, mais c'est le fameux Mictor qu'on retrouvera dans Resident Evil 5 et trucs. C'est même le premier jeu en fait où il apparaît, de Resident Evil, je crois. Ouais, c'est le Mictor, ouais, mais c'est le premier. Ouais. Enfin, je crois que c'est le Mictor ou c'est un mélange. Ouais, c'est peut-être un hybride. Là, vous avez vu le truc rapide, c'est Torpedo Kid. Hein. Bon, en général, il n'y a jamais deux types d'ennemis en même temps dans une zone. Donc si on voit ça, c'est que les cadavres là vont pas se relever. Ouais. Ça, c'est une tradition, il n'y a pas deux types d'ennemis en même temps. Même pour les boss. Hein. Donc tu sais que s'il y a un boss, il n'y a pas truc d'ennemis. Bon, par contre, ils ont l'air tout nus. C'est mignon. Mais d'où venait ce Torpedo Kid? Parce qu'il n'y a rien en fait. Non. Je préfère le pistolet. Oh, ouais. Et le fusil à pompe pour des plus gros ennemis. Ça mène où ça? Ok. Je préfère fouiller ça là-bas d'abord. Où on est où là? Ah d'accord. Ouais, mais je préfère ouais, fouiller. Bon, de toute façon, a priori, ça va mener en même zone. Ouais, bon, a priori, ça va mener à la même zone, donc autant y aller. Bonjour. Ah. Ouais, je pense que là, on va y aller au pompe. Hein. Bonjour, maman, c'est vous, la maman, voilà, des petits kids, là. Putain, on a... Vous avez vu le nombre de munitions qu'on a pour le pompe? C'est vrai qu'on a une tonne de munitions pour le pompe, là. Vous avez vu cette gueule, quand même, hein? Mais c'est vrai qu'on a une tonne de munitions pour le pompe. C'est super arme. On a utilisé beaucoup de trucs. Lance-grenade, je le garderai. Hein. Ouais, je l'utilise pour le prochain, on verra. C'est bien d'économiser quand même un peu de munitions. Alors là-bas, il n'y a rien.
Non, y'a que dalle, que chihuahua. Bon, allez. On continue. Ah, il s'en passe des choses hein, dans cette vidéo. Je rigole si on arrive quand même à faire le plus gros des égouts là. Dans une vidéo. Après, je sais qu'il y a le niveau inférieur aussi. Normalement, c'est aussi des installations des eaux usées. On va affronter d'autres bestioles. Bonjour. Vous dansez rock and roll, baby. Putain de merde. Putain, mais ah non, là c'est de la triche, hein. Il pouvait pas m'avoir, mais il m'a eu quand même. Ils sont trop rapides, putain. Désolé, mais là, non, à un moment donné, ça suffit les zombies qui courent. Parce que là, ils marchent trop vite, ces zombies. Comment tu veux viser correctement, là, à un moment donné? À moins d'avoir des réflexes surhumains. Il y a une petite maman là-bas, kid. Ah, c'est par là qu'il faut aller ou pas? Ah, il y a un truc. Ah, il y a l'air d'avoir quand même un truc. On va y aller, vas-y. Elle me fait chier là, allez, on va la faire dégommer en lance-grenade. Je crois que c'est la dernière, vu qu'on va finir la zone là. Allez, une grenade. Ah, c'est la dernière. Ouais, de ces ennemis, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ça va, ça change, hein. Un ennemi qui n'existe qu'en un exemplaire. Ah non, c'est par là qu'il faut aller en fait. Bon bah on va fouiller juste le truc et puis on va arrêter cette vidéo là. Hein. Après avoir pris le monde charge quand même. Il y a le monde charge, c'est important. Ah ouais, on a fait le gros du truc. J'ai dit 10 vidéos, mais si ça se trouve, ça va pas durer autant. Les munitions pour lance-grenade, ça c'est cool. Trop rouillé. Oh, je suis trop rouillé pour ces conneries. Ouais, allez. Eh ben putain, on fait plouf, on fait glou et glou. Après, il va falloir que je fasse les titres hein, des vidéos, ça va être rigolo ça aussi. Le virus transsexuel. Le deuxième titre aura un rapport avec Fondline. C'est bon. Une vieille radio que peut-être besoin de sujet. Non, pas tout de suite. L'herbe verte, voilà, j'ai tout pris, je vais me soigner un petit coup quand même, parce que ça va pas trop bien en ce moment. Allez, vas-y, on l'utilise. Ouais, on va les bombarder. Vive George W. Bush. Ça va bien avec la politique de l'époque, hein. Entre ce qui se passait en Irak, les attentats et tout. Salut, je suis gros. Le gros plein de soupe n'a pas voulu mon aide. Bon ben. Doum doudou. Non. Alors ici c'est une salle de sauvegarde. Non. Ah non. En fait je suis où là?
Putain, parce que derrière, il y a quelque chose. Devant, il y a quelque chose aussi ou quoi? La carte des rivières souterraines. Ah, le B2. Alors. Ok, donc. Ah, ben c'est la suite du passage, le fameux passage où on était. Et donc là, on a croisé un gros monsieur. Qui a pas l'air très sympathique aussi. Mais on s'en fout, on veut le faire sa fête. La créature rôde encore, c'est trop dangereux d'aller par là. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures. Et en attendant, niquez les couilles.